Bonjour à tous. Cela fait déjà près de 20 ans qu'on l'entend sur les ondes, qu'on le voit en concert. Aujourd'hui, il fait l'actualité avec la reformation du groupe Le Secteur A aux côtés du Mr Hammer, d'Arsenic, de Stomy et bien d'autres, et Passy et Doc Gynéco. Si je vous dis Neg Marron, vous me direz Jackie, vous me direz Benji. Aujourd'hui, on rencontre Benji. Il a de nombreuses cordes à son arc et je vous propose d'en découvrir certaines. C'est beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passait, passait. En ce moment, je travaille sur pas mal de choses. La première, c'est la tournée Secteur A, qui est ma priorité. Donc, en ce moment, on est en pleine promotion. On est reparti sur les routes de France, tous ensemble, comme il y a 20 ans. Et donc voilà, grosse reformation avec tous les membres, Arsenic, Ministère Hammer, Doc Gynéco, Pete Bacardi, Singila, MC Janik, voilà la grande famille. Et donc en ce moment, c'est la priorité. On est vraiment en train de mettre en place un gros spectacle. Enfin, on a envie que ce soit à la hauteur de ces grandes retrouvailles. Voilà. Bon, moi, j'évolue dans le domaine culturel, artistique, depuis plus de 20 ans. On va dire 25 ans, ça va faire peur à ceux qui nous regardent. Ils vont me vieillir encore déjà, il y en a qui me donnent 50 ans en ce moment, alors que j'en ai que 40. Mais donc depuis plus de 20 ans, c'est vrai qu'on est, professionnel de la musique. Et effectivement, c'est un milieu qui peut être assez difficile, en tout cas sur la longueur. Il y a des hauts et des bas. Un des premiers souvenirs qui me vient en tête, moi, c'est en 96, donc quand on s'apprête à signer chez Sony Music, avec qui on s'engage pour plusieurs années et pour plusieurs albums. L'une des premières choses qu'ils nous ont demandé, c'est de changer de nom. Le fait qu'on s'appelle Neg Marron, pour eux, c'était une vraie contrainte. Pour eux, c'était un nom trop engagé. La symbolique de ce nom dérangeait vraiment. Et ils nous ont demandé de changer de nom parce que commercialement, selon eux, on n'aurait pas pu aller loin avec un nom comme celui-là. Et évidemment, nous, avec l'état d'esprit qu'on avait à l'époque, justement, de rébellion, d'émancipation, avec cette envie de s'affranchir, justement, qu'on voulait mettre en avant et affirmer, on a naturellement refusé. Et on voulait garder notre nom et notre empreinte en guise de logo. Je ne vais pas dire que ça nous a mis un coup au moral, parce que comme on dit chez nous, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, et que nous, voilà, on a toujours eu un peu ce mental de guerrier, donc on n'a pas baissé les bras. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on ne voit plus aujourd'hui, et ce n'est pas de leur propre chef, ce n'est pas de leur simple fait, c'est parce qu'effectivement, ils peuvent se trouver dans des situations comme ça, où tu as des maisons de disques qui veulent se séparer d'eux, et finalement, ils se retrouvent sans ouverture, et les carrières s'éteignent comme ça. Moi, je pense que dans ces circonstances, dans tous les cas, il ne faut pas s'arrêter de bosser. Il ne faut pas s'arrêter de bosser, il faut continuer à être créatif, il faut continuer à produire, à dire ce qu'on a envie de dire, à s'exprimer, à laisser parler son art et sa créativité. Pour moi, c'est l'essence même de toute façon de ce qu'on sait faire. Quoi qu'il en soit, nous, on n'aurait pas baissé les bras avec ou sans maison de disque. Le conseil que moi, je peux donner dans un premier temps, c'est la patience. Parce que la jeunesse est pressée, la jeunesse veut aller vite, la jeunesse a faim. Dans cette faim-là, on va dire, il y a du positif. Et parfois, il y a un petit peu de négatif dans le sens où des fois, ils sont trop pressés et comme le résultat n'arrive pas assez vite pour eux, ils se le découragent. Non, il faut prendre son temps et être patient. Être patient, le travail finit toujours par payer. Ça, c'est le conseil que je peux donner. Le travail finit toujours par payer avec le temps. Ceci est ma story, la story de Monsieur Benji. Et toi, quelle est ta story? Dis-nous tout, raconte-nous tout. Yep.